Bonjour au peuple de Dieu du monde entier, disséminé dans tous les continents. Vous nous suivez des États-Unis, du Canada, de tous les pays africains, en Asie, Océanie, l'Europe occidentale, centrale et orientale. C'est encore un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la parole de Dieu. Moi, c'est apôtre Saka Malangu Rehoboth, apôtre visionnaire du Centre évangélique 40 biblique. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne, à activer votre cloche de rappel et n'oubliez pas de liker. Ça, c'est votre manière de nous soutenir. La fois passée, nous étions en train de vous parler des quatre dimensions du baptême dans l'esprit. Nous avions en ce temps-là parlé de la première dimension qui est le baptême du cœur, la dimension du baptême du cœur. Deuxièmement, nous avons parlé de la dimension du baptême de la cendre ou baptême de la profonde humilité. Et nous avons par la même occasion développer les expériences qui peuvent vous prouver que vous avez fait déjà, vous avez déjà atteint la dimension de la cendre dans la spiritualité. Et je rappelle que la dimension du cœur et la dimension de la cendre sont les deux dimensions qui constituent, qui sont à la base, parce que la grande base, c'est le baptême du cœur, pour vous montrer que tout dans la spiritualité part du cœur. Et enfin, comme une suite logique, la dimension de l'humilité ou de la cendre, où nous disions que le moi doit être brûlé. Maintenant là, nous commençons les deux dernières dimensions qui élèvent maintenant la pyramide. Parce que, et vous allez vous rendre compte que les deux dimensions que je vais devoir développer maintenant, c'est ça que nous aimons tous. C'est ça que toutes les églises chantent. Notamment, c'est la dimension, la troisième dimension, le baptême de la puissance intérieure. Et je vais finir par le baptême de la révélation, au baptême de la spiritualité supérieure, au baptême de la science des mystères. Ça, nous voulons. Ça nous rend orgueilleux quand on n'avait pas été brûlé. Parce que vous allez vous rendre compte qu'un serviteur de Dieu qui a reçu la troisième et la quatrième dimension, s'il n'a pas eu la première et surtout la deuxième dimension, il va s'élever, il va mobiliser le monde entier, il va faire des grandes croisades, il va construire des grands temples, il aura beaucoup d'argent, mais il sera orgueilleux parce qu'il n'avait jamais été brisé. Et c'est de là que viendra tôt ou tard sa chute. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé jusqu'au sommet, mais n'avait pas de base. Alors, peuple de Dieu, je vous disais que pour que vous puissiez reconnaître que vous avez fait l'expérience de la deuxième dimension, vous comprendrez que aujourd'hui, la première chose, vous allez faire l'expérience selon laquelle un homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Si ce n'est pas le ciel qui vous a donné quelque chose, vous pouvez pleurer, vous pouvez féticher, vous pouvez organiser des marches. Même si vous êtes aux portes de la réussite, vous allez échouer. La vie d'un homme ne dépend point de ses biens. Quand on atteint la dimension des cendres, le matériel n'est rien. Ce n'est que quelque chose que Dieu donne pour nous accompagner. Mais ce n'est pas cela l'utile, ce n'est pas cela l'absolu. Il y a des personnes qui ont fait du matériel leur absolu. Et on comprend qu'il faut attendre son temps. Parce que le temps est un tour. Ça, c'est une notion que je développe dans mon thème titré « Le temps est un tour ». On comprendra que l'humilité est le secret de la véritable grandeur. Dieu aussi, Dieu peut m'enseigner par un fou, par un enfant, par une femme, par un non-instruit. Et on découvre le mystère de vivre par le reste. Vivre par le reste, je le disais tout à l'heure, quand je vous ai dit que le monde est occupé par des géants
économiques, des géants informatiques, des géants politiques, des géants juridiques, des géants religieux, des églises géantes, des églises intouchables, des hommes de Dieu intouchables, des hommes de Dieu puissants. Mais ceux qui ont Dieu vivront par le reste. Vivre par le reste, c'est faire l'expérience des quatre animaux petits, tel qu'il est dit en Proverbe 24, 30, 24 à 28. Il y a sur la terre quatre animaux petits, et cependant des plus sages. Petit message. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont point de roi, elles sortent toutes par division. Le lézard, saisi avec les mains, se retrouve dans les palais des rois. Donc, les lézards, les sauterelles, les damas, les fourmis sont quatre animaux petits, mais qui, dans un monde, dans un univers où il y a les géants, l'éléphant, l'hippopotame, les serpents venimeux, mais ils ont réussi aussi à s'étayer le chemin. Donc, quand un enfant de Dieu, baptisé à la deuxième dimension, comprend ces choses, il ne s'en prend pas aux grands. Il comprend que, quelle que soit leur grandeur, il fait l'expérience de David devant Goliath. Ce n'est pas la taille de Goliath qui peut m'empêcher d'avoir la victoire. Dieu est multifacette, multisystème, et il peut m'amener. Donc, en bref, lorsqu'on expérimente la deuxième dimension pour Christ, on comprend qu'avec Christ, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cela, peuple de Dieu du monde entier, je vous salue une fois de plus. En abordant la troisième dimension du baptême dans l'esprit, qui est le baptême de la puissance intérieure. Ici, en ce qui concerne le baptême de la puissance intérieure ou le baptême à la troisième dimension dans l'esprit, par cette dimension, la parole de Dieu ou les enseignements que l'on a reçus, qui ont été dispensés, ils augmentent la foi. Là, on a souligné. Ici, les enseignements, ici, l'esprit que l'on reçoit augmente la foi du baptisé jusqu'à lui donner la capacité. L'enseignement que l'on reçoit pour communiquer la troisième dimension du baptême dans l'esprit, que j'appelle baptême de la puissance intérieure, vont augmenter la foi du baptisé pour lui conférer une capacité de déplacer les montagnes, une audace et un courage exceptionnel pour prendre des risques. Lorsque la personne atteint cette dimension, nous disons littéralement qu'elle déplace les montagnes, qu'elle manifeste une assurance hors du commun, une audace. Je l'appelle même, d'autres appellations, c'est le baptême d'audace, baptême d'assurance, baptême de foi. C'est un baptême de miracles, de prodiges, de guérisons, ou alors carrément un baptême de prise de risque. Je vous donne un exemple. Esther avait peur d'entrer chez le roi. Mais lorsque Esther dit, jeûnez pour moi 3 jours et 3 nuits, et moi aussi, je jeûnerai avec mes serviteurs. Et après 3 jours, j'entrerai chez le roi malgré la loi. S'il faut que je périsse, je périrai. Là, lorsqu'on parle de cette façon, on ne parle plus à la première dimension, on ne parle plus à la deuxième dimension, on parle à la troisième dimension. On dégage une puissance intérieure, on ne craint plus rien. Quand quelqu'un a l'audace de la foi, il peut se dire, même si on arrête, même s'il y a couvre-feu, il va passer même entre les militaires, il le salue même, il est en train de passer, et il va, il atteint l'objectif, il rentre. Vous vous souvenez que les vaillants de David sont passés au milieu du camp des Philistins. Ils sont allés puiser de l'eau de la piscine ou de la piscine qui était à la porte de Bethléem pour venir développer l'audace. C'est pourquoi la Bible est claire.
Il dit que lorsque les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ont vu l'assurance de Pierre et des gens sans instruction, quand ils ont vu l'assurance avec laquelle Pierre et Jean parlaient, ils ont dit, mais comment se fait-il que des gens sans instruction peuvent nous parler de la sorte? Ils avaient reçu la dimension du baptême d'audace. Lorsque les quatre lépreux de Samarie se sont dit, si nous entrons dans la ville, nous mourrons à cause de faim. Si nous restons ici, dehors de la ville de Samarie, nous mourrons également à cause de la famine. Allons nous jeter au camp des Philistins. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font périr, nous périrons. Ça, c'est l'audace de la foi. Là, ils ont expérimenté la troisième dimension. Donc, dans la troisième dimension, et j'ajoute, parmi les qualités développées à cette dimension, la troisième dimension, si je parlais de nos jours, ça confère un leadership fort. Et c'est que les gens vont chercher dans les fétiches pour enlever la timidité, pour enlever la peur de parler aux foules, pour affronter et diriger une grande entreprise. C'est le leadership fort. Le Saint-Esprit, dans la troisième dimension, peut conférer aux hommes et aux femmes un courage, une audace exceptionnelle de faire pareille chose. Et quelles sont les choses que la personne baptisée à la troisième dimension va détester? Cette personne déteste la peur. Il dit non à la peur. Non à la timidité. Il dit, je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit d'audace, de vérité. Il dit non à la honte pour rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi certaines personnes, ils pouvaient être timides, avoir honte, mais lorsque ils affrontent cette dimension, la peur est partie, le doute est parti, et la honte est partie. Il rend témoignage, il devient une personne folle par rapport à sa vérité. S'il faut rendre témoignage du Christ, les disciples n'avaient plus peur, ils ne se gênaient plus, ils n'avaient pas honte, ils ne craignaient pas qu'on pouvait nous faire mourir. Ils ont reçu l'audace de Dieu. Non au doute sur les affirmations. Et vous allez voir, parce qu'il y a des endroits où on a peur de certaines affirmations de la parole de Dieu. Mais à cette dimension-là, on prend ces affirmations-là dans toutes les essences. Par exemple, tout est possible à celui qui croit. La personne baptisée dans cette dimension fait cette expérience. Il comprend que lorsque je crois, tout est possible. C'est encore possible. Ça peut se faire. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est la puissance de la parole. Et lorsque je parle comme ça, vous comprenez que à chaque dimension, les églises qui sont dans le monde, il y a les églises qui ne se sont arrêtées qu'à la première dimension du baptême dans l'esprit. Il y a des églises et les hommes de Dieu de la deuxième dimension. Il y a les églises et les hommes de Dieu de la troisième dimension. Et la troisième dimension, c'est la plupart des églises de réveil. Le mouvement charismatique, pentecôtiste, évangélique, c'est généralement la troisième dimension du baptême dans l'esprit. La puissance de la multiplication, le miracle de la multiplication, de la régénération. Ça, ce sont des expériences de la troisième dimension du baptême dans l'esprit. Marc 16, 17 vous dit par exemple, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, ce sont les expériences, les écritures de la troisième. Vous voulez être baptisé à la troisième dimension, recevez des enseignements pareils. Lisez de telles écritures, méditez-les, intériorisez-les, faites-en une expérience spirituelle. Parce que l'esprit qui se cache derrière ces écritures, c'est l'esprit dans sa troisième dimension du baptême. Par exemple, Acte 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, mais ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Jacques 5, 17, Élie était un homme de la même nature que nous.
Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Esther 4:15. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Mais moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Donc, c'est ça, je veux dire qu'à ce niveau, on prend les risques. Mais quels sont les quelques inconvénients de la troisième dimension? En fait, la troisième dimension, c'est la dimension la plus enviée dans la spiritualité par les chrétiens, par les serviteurs de Dieu. Mais avoir la puissance sans sagesse. Et quand je commence à parler de la sagesse et de l'intelligence, je commence déjà à insérer la quatrième dimension. Sans discernement, c'est un gaspillage. Atteindre la troisième dimension, sans être baptisé du cœur, ni de la, et être réduit en cendres, c'est courir toujours le risque de tomber. Plusieurs serviteurs de Dieu, puissants en parole et en œuvre, sont tombés par orgueil, faute d'avoir expérimenté la deuxième dimension. Le baptême de puissance sans le discernement, ou bien sans la quatrième dimension, est très dangereux, avec risque aussi parfois de forcer les choses ou d'invoquer coûte que coûte la puissance, même quand le discernement et le temps de Dieu ne le permettent pas. Voilà, peuple de Dieu, ce que je pouvais vous communiquer par rapport à la troisième dimension du baptême dans l'esprit. Cela m'amène tout droit à parler, je ne sais pas le nombre de minutes qui va me rester, à parler ou à introduire la quatrième dimension du baptême dans l'esprit, ou le sommet de la pyramide. Ce que j'ai dit, le baptême qu'il faut absolument pour ce temps. Parce que vous allez vous rendre compte que la puissance est bonne. Mais la puissance sans la sagesse, le discernement, sans ouverture de l'esprit, sans ouverture des sens spirituels, parce que la puissance, remarquez vous-même, la Bible dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps de Naaman le Syrien, mais seul Naaman le Syrien a été purifié par Élisée. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps où Élie le Tishbite avait été envoyé chez la veuve au pays de Sidon dans la ville de Sarepta. Mais seule la veuve de Sarepta bénéficia du ministère d'Élie. Dans la même chose, même le Christ n'a pas terminé tous les boiteux, tous les malades sur terre. C'est pour vous montrer que la puissance de Dieu n'agit pas de manière illimitée. Elle est guidée aussi par le discernement, l'intelligence et la sagesse divine. Alors, à la quatrième dimension, que fait l'esprit? Comment, que font les enseignements ou la parole de Dieu? Ici, à la quatrième dimension du baptême dans l'esprit, la parole ou les enseignements dispensés ouvrent les sens spirituels du croyant. Ouvre, qu'est-ce que j'aimerais dire? Le chrétien commence à entendre par autre chose que les oreilles. Il commence à voir avec autre chose aussi que les yeux seuls. Il commence à toucher avec autre chose que les mains seules. Ça ouvre d'autres sens. C'est-à-dire, le chrétien n'est plus limité à ce qui touche les 5 sens, les 5 organes de sens que nous avons appris en anatomie. Ce n'est pas seulement ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai entendu de mes oreilles, ce que j'ai touché avec mes mains, non. De façon que la compréhension, le discernement, la capacité à lire les signes des temps, d'anticiper sur les choses et les événements, ou des écritures ou de mon discernement, nous pouvons l'appeler baptême des mystères de Dieu. Parce qu'ici, on commence soit à expliquer les mystères ou à les intérioriser. C'est ce que Paul appelle la science des mystères de Dieu. Le baptême de la toute connaissance. Le baptême du discernement.
le baptême de la révélation, j'ajoute baptême des intuitions. Vous pouvez être assis comme ça, vous sentez comme si on vous ouvre brusquement l'esprit. Nous prenons tous la Bible, nous lisons le même verset, mais ce que nous commençons à parler, c'est comme si moi j'ai lu une autre Bible où j'avais une autre personne qui m'indiquait ce qui existe entre les lignes. L'ouverture, on reçoit les clés, l'ouverture des clés spirituelles. Les clés spirituelles pour ouvrir ce qui a été bloqué dans les Saintes Écritures. Les Écritures. Le baptême des questions difficiles. Donc ici, la quatrième dimension, je peux vous lire une écriture, Daniel 3, 12, « Parce qu'on trouva chez lui » chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Donc nous pouvons aussi l'appeler baptême des lois spirituelles. On ne lit plus la Bible pour lire, on la lit et on découvre des lois spirituelles qui régissent la spiritualité et vous comprenez les choses un peu différemment de la manière que tout le monde comprend ou de ceux qui n'ont pas été enseignés comprennent. Et quelles sont les qualités que la personne développe à cette dimension? Dans la quatrième dimension, la personne a la soif des mystères de Dieu. La soif des mystères, la compréhension des lois spirituelles, l'ouverture de l'intelligence. Avec le baptême à la quatrième dimension, on découvre, on invente, on crée, on reçoit des intuitions. On est attentif aux signes des temps, les signes des temps. On ne fait plus les choses comme tout le monde le fait, mais on les fait selon les signes des temps. Le souci de l'excellence et de la connaissance en toutes choses, la profondeur des choses. On se dit, quelqu'un baptisé à la quatrième dimension ne se fie pas à la part. Je disais qu'on peut être amené jusqu'à lire même dans la pensée d'une autre personne ou deviner même un songe. Vous vous souvenez Daniel 2, 28. Daniel dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des temps. Ici, Daniel est en train de dire au roi le songe que le roi a vu et qu'il a oublié. Cette capacité, on peut l'acquérir. Je ne dis pas que tous ceux qui ont atteint cette dimension ont tout. Mais chacun peut développer sa variante. Mais entre autres caractéristiques, c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Mais qu'est-ce que l'on va détester à cette dimension? Quand on atteint la quatrième dimension, la personne devient allergique à la médiocrité, à la bassesse, aux choses terre à terre. C'est-à-dire quand on analyse les choses de Dieu de manière beaucoup plus simpliste et enfantine. Le refus de croire au langage de Dieu. On nie que Dieu ne parle pas. Ça affole quelqu'un qui est à la quatrième dimension. Ou bien on attribue tout ce qui arrive à la volonté de Dieu. Tout le monde qui meurt, c'est Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu. Non, quand on est à la quatrième dimension, on ne prêche plus comme tout le monde. On cherche un discernement. On ne veut pas parler de tout. Est-ce que ce que j'ai dit ici, c'est ce qu'il fallait dire en ce temps? On hait le fanatisme, parce que le fanatisme rend aveugle. Être fanatique dans une confession religieuse, dans un homme de Dieu, on considère comme une prison spirituelle. On voudrait être un homme ouvert, un homme vent, un homme qui ne fait pas de limitations aveugles. Et enfin, quels sont les principes spirituels ou expériences développées à la quatrième dimension? Ici, on fait l'expérience des méditations, le mystère du silence. La Pentecôte silencieuse dont je vous ai parlé, c'est un message de la quatrième dimension. Le message des mystères des nombres et des chiffres, c'est un message de la quatrième dimension. Donc, on fait l'expérience des méditations, le mystère du silence ou le Dieu du silence. On comprend que comprendre, c'est une révélation. Choisir, c'est une révélation. Écouter son intuition, écouter son cœur, c'est une révélation. Par exemple, Luc 24, 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais Jésus disparut de devant eux.
Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Et nous expliquait les Écritures. Ce sont les deux disciples d'Emmaüs. Quelqu'un leur parlait. C'est vrai que Jésus était transfiguré. Ils ne pouvaient pas, peut-être pas le reconnaître. Mais leur cœur, ah, c'est pourquoi je dis que le problème, j'ai toujours détesté ceux qui me montrent les photos de Jésus. On n'aura pas besoin de photos pour reconnaître Jésus à la rencontre. À la rencontre, c'est le cœur qui parlera. Les deux hommes intérieurs vont s'attirer. Ils vont se parler. Les disciples vous disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? C'est-à-dire les deux disciples de Mao. Le cœur leur disait quelque chose, mais ils n'avaient pas l'âge spirituel pour comprendre le message que leur propre cœur était en train de leur donner. C'est quand il a rompu le pain qu'ils ont compris que c'était lui et il a disparu de devant eux. C'est-à-dire, leurs yeux spirituels n'avaient pas l'âge de voir. Ils n'avaient pas encore atteint l'ouverture totale de l'intelligence et du discernement. Donc, à ça, Mais quels sont les inconvénients de la quatrième dimension? L'inconvénient de la quatrième dimension, c'est que lorsque un homme qui atteint la quatrième dimension, il peut oublier qu'il reste un homme et risquer de se faire passer pour Dieu. Et ça, c'est arrivé à plusieurs hommes de Dieu parce qu'ils ont confondu qu'ils restaient des humains. Il n'était pas Dieu. Et si Dieu voit de telles choses dans un homme, c'est ça qu'il a fait à Paul. Il lui a dit alors, Dieu peut tolérer que certaines faiblesses persistent dans le corps, que certaines choses ne s'accomplissent pas pour vous rappeler que vous restez un homme, n'en déplaise la quatrième dimension. C'est ça que Paul dit. Paul dit ceci, il faut se glorifier. Non, ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Qui se fit hors de son corps, je ne sais. Mais cet homme fut enlevé au paradis et qu'il entendit des choses, des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà, Paul dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais pas de moi-même. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Donc, ça dit que l'expérience, c'est quoi? Parce que le temps nous impartit reste peu. Sachez que plus que Dieu nous élève, plus que nous devons nous humilier. Vous êtes un avocat, vous devenez un grand avocat. Si vous attendiez que les gens vous saluent, vous commencez à les saluer avant. Vous achetez une très belle dupe, commencez à saluer les autres. Plus que Dieu vous élève, élargissez votre base de la pyramide. Sinon, vous allez tomber. Parce que quand on s'élève, la base diminue. C'est pourquoi Paul vous dit, Dieu a toléré cela pour que me rappeler, que pour m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Alors Paul conclut avec ce que je vous ai dit avant, que alors quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Eh bien, peuple de Dieu, mais alors, qu'est-ce que la personne là, à la quatrième dimension, elle devient attentive à certaines expériences. Par exemple, les coïncidences étonnantes, les répétitions insistantes, les tirages. Par exemple, je fais allusion à la personne là arrive. Je fais allusion à quelque chose, j'ouvre la Bible, j'ai un verset qui me ramène à ce que j'étais en train de parler. J'ouvre la Bible, un mot se répète 3-4 fois. Un homme à la quatrième dimension se dit, non, il y a un message que je dois méditer, que Dieu m'envoie. Je me réveille chaque fois à la même heure la nuit, 3h40, 4h40, 5h40, 5h44. Mais je dois discerner, mais quel est le message que Dieu m'envoie? Donc, quand on atteint la quatrième dimension, le hasard n'existe plus. Alors, peuple de Dieu, vous avez suivi l'apôtre Saka Malangurebot dans la quatrième dimension du baptême dans l'esprit. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vous résumerai l'impact social
de ces quatre dimensions du baptême dans l'esprit. Parce que ces choses que j'enseigne ne sont pas que spirituelles. Je vous démontrerai que même un pays entier peut se développer avec ces différentes dimensions du baptême dans l'esprit. Pour aujourd'hui, je vais vous inviter encore une fois de plus à vous abonner massivement, à liker la vidéo, à la partager afin de nous soutenir et remercier tous ceux qui nous soutiennent et qui nous ont sponsorisés pour que nous puissions réaliser cette œuvre et demander à mon Dieu de vous bénir tout en vous promettant pour une prochaine occasion. Merci.